Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, bah ça va être ma routine rentrée. Je sais pas trop comment le dire, en mode bah get ready with me for my rentrée. Donc back to school ou je sais pas quoi, je sais pas comment on dit, mais voilà, ça va être une petite vidéo. Donc là, on est la veille de la rentrée. Il est 20h et bah, je viens de finir de manger tout ça. Mes cheveux, je vais pas les laver parce que je vais les plaquer. Donc voilà. En gros, ici, c'est mon rangement de tous mes cahiers et trucs que j'avais bah, l'année dernière. Bon, là, il y a des petits trucs qui sont pas faits, mais voilà, que des trucs comme ça et tout. Donc là, ce soir, j'ai décidé de tout vider parce que j'ai rien fait à l'avance, bien sûr, parce que moi, je fais rien à l'avance. Et vu que j'aurai jamais le sommeil, ben, je vais le faire maintenant. Donc voilà, je vais tout vider, les trucs qui servent à rien et tout. Et je pense que je vais ben, remplir en même temps et je vais faire mon sac. Donc moi, je passe en seconde. Pour mon sac, ben, je vais mettre je vais mettre trois cahiers, un truc comme ça. Parce que je sais pas s'ils vont nous faire travailler directement. Je vais mettre des feuilles et je vais faire ma trousse. Donc là, je vais mettre mes stylos dans ma trousse, tout ça. Donc c'est pas très intéressant. C'est pour ça que c'est pas ça la vidéo. Donc c'est pour ça que je vais pas vous montrer. Mais on se retrouve bah, du coup quand tout ça c'est fait. Et après, bah, je préparerai ma tenue. J'ai pas tellement d'idées pour ma tenue. Je veux mettre un jean blanc avec un haut blanc, je pense. Et mon blazer. Voilà, je pense que je vais mettre ça. Et voilà, c'est tout, hein. Donc on se retrouve après. Bon, au final, peut-être que ça va vous intéresser, j'en sais rien. Donc on va le faire ensemble. Donc ça, c'était ma trousse. C'était même pas ma trousse à moi. C'était la trousse à une fille de ma classe. Du coup, bisous si tu passes par là. En gros, ma trousse a été pétée et moi, elle m'avait donné sa trousse. Tiens, il y a plein de trucs dedans, mais. Oh, mais si je vous fais un. Non, mais il y a des papiers et tout. Je sais pas ce que je faisais dans ma trousse, j'ai envie de savoir. Des trucs qui ne servent à rien en fait. Ça va clairement être le bordel. Mais voilà. Donc en fait, ce qui est pas intéressant, c'est que je jette tout. Donc c'est-à-dire que ça. Alors juste. Hop. Je faisais n'importe quoi cette année. Ça, je vais garder. Et après tout ça. Oh, c'était ma carte de cantine, les gars. C'était ma carte de cantine, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Parce que des fois, je mange à la cantine. Mais du coup, bye bye. Bisous. Donc voilà. Hop! Les amis, mon ancien agenda. Mais là, je vais retrouver des trucs. Attendez. Mais les gars, je retrouve ces trucs. Mais vous savez très bien dans les agendas comment c'est. Mais dégueu, genre, des fois. Mais bon, attendez. Ouais, des fois je faisais j'écris. Je faisais n'importe quoi. Bref, ça, c'était bien gentil. Mais. Donc, tout ça après, c'est des papiers et tout. Vraiment, je vous retrouve quand j'aurai enlevé tout ça. Regardez tout ça, je vais l'enlever parce que vraiment ça me sert à rien. Bon, du coup, je vais tout enlever et si j'ai la foi de tout enlever, parce que je sens que je vais jamais tout enlever, parce que ça va me saouler. Mais voilà, on se retrouve quand tout ça est enlevé parce que c'est hyper chiant. Bon, du coup, là, c'est bon, c'est fait. Il y avait ces trois tiroirs-là et celui-là qui était rempli bah, du coup de trucs à cours. J'ai jeté vraiment plein de trucs. Alors ça, c'est hyper lourd. Non, vraiment, j'ai jeté plein de trucs parce que vu que j'ai tout racheté à Bureau Vallée, bah, enfin chez Bureau Vallée, bah voilà quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que bah, du coup, mon sac qui est là-bas de Bureau Vallée, je vais tout ressortir. Donc je vais vous montrer. Je vais tout ressortir. Donc ça, c'est ce qui me reste. Et voilà, donc là, je vais tout ressortir, je vais tout bien faire. Par exemple, les feuilles à carreaux, par exemple, à grands carreaux, double, je vais écrire sur une feuille. Là, c'est les feuilles doubles, comme ça, je saurai et tout. Donc voilà, là, j'ai des pochettes, des cahiers, classeurs, je vais tout remettre, je vais tout mettre dans mes trousses. Donc j'ai deux trousses, je sais même pas où elle est, ma S-Pack. Mais voilà, donc là, je vais faire tout ça. Et bah on se retrouve quand tout ça est fait parce que bon ça va être très très long ça aussi. Là ça va, j'ai pas pris beaucoup de temps parce que c'est à jeter donc ça va plus vite. Donc là j'ai un classeur. Moi je vais pas mettre je vais mettre juste des étiquettes quand je voudrais mettre mes matières, mais sinon je vais pas mettre des étiquettes en mode voilà quoi. Donc bon ça je le ferai après parce que c'est chiant. Voilà, j'ai des colles, j'ai encore des grandes colles, mais vraiment j'ai des trucs en fin fois. Regardez tout ce que j'ai d'équerre. C'est normal. Est-ce que c'est normal? Vraiment pas. Là, crayon à papier, cahier, pochette, trieur.
pochette. Ça, c'était trop beau. Ça c'est quoi? C'est des feuilles. Feuilles mobiles. Ça, je pense que c'est cahier, agenda. Mon agenda, il est comme ça. De toute façon, si vous voulez voir tous mes trucs, vous allez dans la vidéo Bureau Valley. Là, on fait nos fournitures. Un cahier encore. Voilà. Pochette. J'ai acheté 45 pochettes, je sais pas pourquoi. Mais ce qui est bien, Bureau Valley, c'est que vous voyez, il y a des trucs comme ça. Donc moi je voulais écrire mais en fait j'avais zappé qu'il y a des trucs comme ça. Donc ça veut dire ça, je saurais que bah, c'est 200 copies doubles. Donc j'aurais pas besoin de mettre mes feuilles comme ça dans mon truc. Donc ça c'est super. Vous voyez là pareil, c'est super. Hop, j'ai acheté une blouse aussi. Et après tous mes stylos et tout. Ah bah Megan elle a tout mis déjà là-dedans. Mais bon je vais vider un peu parce qu'elle a mis trop de trucs je pense. Donc voilà, ça je vais voir. Et voilà. C'est parti, ça va être très long, mais écoutez, on a le time, d'accord? On a le time. Donc, je mets quoi? Choisis. Il faut en choisir 1, 2, attends, j'en mets combien? J'en mets combien? Je sais pas. Je sais pas lesquels mettre, ça me stresse. Pas le orange, j'aime pas. Jaune, obligé. Rose. Jaune et rose. Jaune et rose. Allez, jaune, rose, bleu. Allez. Je fais toujours ça au début de l'année. À la fin de l'année, j'ai même pas une trousse à moi. Hein. Donc là, je fais trop la... Si vous voulez, je vous ferai une vidéo la fin de l'année. Ça va pas être pareil, je vous le dis. Donc. Ok, là les gars, c'est bon. J'ai fini de tout ranger et tout. Donc je vais vous montrer un peu comment j'ai rangé ça. Donc là, c'est deux tiroirs, c'est pas moi. Donc ici, j'ai mis ce que je vais utiliser pour la rentrée. Parce que du coup, le premier jour, on fait pas cours. Et ici, je mettrai mes manuels. Ça en gros là c'est mon gros classeur en fait. Donc voilà, je sais pas si je vais l'utiliser mais voilà. En plus c'est un petit je sais pas comment c'est. Voilà. Là c'est mon trieur et mes cahiers. Voilà donc comme ça. Ça je pense je vais le bouger mais pour l'instant j'ai pas de place. Là ça va être toutes mes feuilles et tout. J'ai mis toutes mes feuilles et j'ai mis mon petit classeur dedans. Et ici j'ai mis une équerre avec mes 45 pochettes, ma calculatrice, donc il y avait 4 piles dedans, donc je les ai mises, et il y a ça, donc je sais pas trop c'est pourquoi, mais bon, je verrai plus tard, ça je sais pas, c'était déjà là, et mon petit Robert, et sinon dans le dernier, ça se ferme pas, j'ai mis ma blouse ici, dans le dernier il y a tous mes trucs, genre mes fournitures que j'utilise pas pour l'instant, mais que je vais utiliser plus tard. Bon là je vais mettre tout ça à la poubelle et après je vais venir me coucher parce que je suis crevée vraiment. Et c'est parti pour demain quoi. Ok donc là j'ai mon sac. Donc je vais mettre ma petite trousse qui est assortie à mon sac. Voilà. Donc mon petit agenda. Bon ça va, il est pas super beau mais de toute façon qui va l'utiliser? Personne. Là je vais mettre un haut pour ma meilleure amie. Elle va mettre mon initiale aussi parce que on est trop comme ça en fait. Dieu merci. Et on touche du bois. Et vu qu'on va être au lycée et tout, on sait pas si on va... On va être dans la même classe, tout ça, mais bon, on aura toujours cette empreinte. Ensuite, petite pochette avec toutes mes feuilles. Donc, j'ai mis feuille double, j'ai mis feuille simple, petit carreau, feuille double, grand carreau et feuille grand carreau normal. Et c'est tout ce que j'aurais besoin normalement. Donc, voilà, avec ma trousse. C'est tout ce que j'aurais besoin. Après, quand je vais aller là-bas, ils vont me donner mon carnet, donc je le mettrai là. Voilà. J'ai besoin de rien d'autre. Donc, comme ça, c'est pas trop lourd, c'est super. Et voilà, je suis enfin prête pour aller dormir. Je n'en peux plus. Je suis crevée. Demain en plus, je prends le bus. Ça va être très bizarre parce que moi, j'ai jamais pris le bus pour aller en cours et tout. Donc, je vais être un peu en mode... Voilà. Bon, je sais que là, si je me mets dans mon lit et tout, je vais pas tout de suite dormir. Genre, ça va pas me truc parce que je suis un peu stressée et que depuis 2 mois, je dors pas du tout à 23h parce que là du coup il est 23h48, je dors pas du tout à cette heure là mais voilà, faut que je m'oblige, donc on va aller dodo ensemble. Donc Negin aussi elle va faire sa routine, donc voilà, parce qu'elle va en école de cinéma, voilà, Paris, et à son école d'anglais aussi pour mieux parler anglais même si elle se débrouille déjà pas mal. Donc voilà. Je les ai lavés aujourd'hui, hein. Mais vu que j'ai mis du gel, voilà quoi. Sur ce, je vous laisse les gars, je vais aller dormir pour le coup. Je vais un peu rester sur TikTok, tout ça, parler avec mes copines pour me déstresser. Je sais même pas où il est mon téléphone, pour me déstresser, mais voilà. Après, je vais aller dodo, faut que je charge mon téléphone aussi. Ah oui, je vais prendre des écouteurs aussi, comme ça j'aurai pour demain. Et voilà, sur ce, je vous fais des bisous et passez une bonne rentrée. J'espère que ça va bien se passer pour vous.
Bon, les gars, ça devait pas du tout se passer comme ça, c'était grave pas prévu. De base, bah, enfin, ce moment-là de la vidéo devait être, bah, du coup, le matin de la rentrée. Sauf que je me suis réveillée en panique, en retard, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo et je me suis dit, bah, tant pis, en fait, tant pis, je serais pas en retard pour la vidéo. Du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma rentrée, tout ça, donc ça s'est super bien passé. Et bah, là, on est un jour de cours, en fait. Et je me suis réveillée, tout ça, je me suis habillée et je me suis dit pourquoi pas vous montrer du coup ce que je fais le matin parce que c'est du coup la même chose que j'ai fait à la rentrée parce que ben, y a pas de différence en fait entre la rentrée le matin et les jours de cours le matin. Du coup, bah voilà, je me suis déjà habillée, mon sac il est fait, tout ça. Je vais vous montrer comment je me suis habillée, je me suis habillée comme ça et j'ai la flemme de mettre une ceinture et je vais mettre mon gilet Calvin Klein parce qu'il fait froid, je crois. Donc voilà, sinon j'ai mis mes petites bagues et tout en boucle d'oreille. Est-ce que je mets des boucles d'oreille? J'ai un peu la flemme, je vous avoue. J'ai un peu beaucoup la flemme. Regardez, j'ai plein de boucles d'oreilles. Elles sont trop belles. Attendez. Elles vont tomber, donc voilà. Mais ouais, je sais pas, j'ai la flemme de mettre des boucles d'oreilles, donc on verra après. Du coup, là, on va se maquiller et se coiffer. C'est parti. Donc là, j'ai pas mon téléphone avec moi, mais mon bus, je dois le prendre à 7h25. Du coup, enfin, 7h25, je dois être dans le bus. Ça veut dire à 7h20, je dois partir de chez moi. Même un peu avant, là il est 7h donc j'ai grave le temps, ça va tranquille. Hier j'ai mouillé mon Beauty Blender parce que je le mouille tout le temps avant de me maquiller. Et en fait cette fois-là genre il a grave gonflé et du coup bah je vais le laisser comme ça. Parce que je sais pas pourquoi il a autant gonflé mais bref. Donc qu'est-ce que je... je commence par prendre mon anti-cerne, c'est pas un fond de teint, c'est un anti-cerne de chez Fenty Beauty. Qui est trop trop bien, je vais vous montrer. En fait j'en prends, j'en mets du coup sur mes cernes comme ça. Après j'en mets sur mes paupières, voilà. Après un peu, il est très blanc en fait, un peu sur mon front comme ça. Et là, voilà. Et après, je prends et j'estompe. En ce moment, tout le monde est malade les gars. Moi je suis pas encore malade, Dieu merci, mais je sens que je vais l'être. Ça me saoule clairement beaucoup. Hop. J'essaie d'aller vite. Et en fait, vu que des fois il est grave blanc mon truc, je voudrais acheter du bronzer pour mettre du bronzer parce que j'avais déjà testé, c'était grave beau. Mais bon, flemme. Du coup, voilà. Après, je prends un peu toute la matière. Dites-moi dans les commentaires comment s'est passée votre rentrée à vous. Si ça s'est bien passé ou non. J'aimerais bien savoir. Moi, dans ma classe, quand je suis arrivée, je connaissais personne. Donc c'était un peu compliqué, je vous avoue, mais bon, je me suis direct fait 2-3 potes. Et après, bah, je me suis entendue avec toute ma classe, donc je suis contente. Et voilà, hein, ça se passe bien. Donc, en plus, une marque de bouton, je sais pas ce que c'est, qui veut pas partir. Ça saoule. Bref, quand j'ai fait ça, je vérifie que ce soit bien estompé, parce qu'à chaque fois, quand j'arrive au lycée, mes potes ils me disent. Là, t'as de l'anti-cerne, là, t'as de l'anti-cerne. Donc, j'estompe bien. Je prends mon blush de chez L'Oréal. Celui-là, il est trop bien. Je mets avec mon Beauty Blender parce qu'on n'a pas le temps. Je fais ça tout le temps. Et là, vous avez vu, j'en mets beaucoup. Mais après, j'estompe. Pas obligé de sourire, hein. On sait où sont nos joues. Et j'en mets un peu sur le nez aussi, parce que j'aime bien, genre, avoir un petit nez rouge en mode. De toute façon, comme il fait froid, j'ai le nez rouge. Quand j'ai fini avec ça, mon petit mascara. Ah oui, je fais ça. Bon, ça me stresse. Après, soit bah, je fais rien à mes sourcils, genre je les laisse comme ça. Soit je prends. Soit je prends mon. Comment ça s'appelle? C'est un sérum sourcil renforçateur et en fait je le mets et ça plaque mes sourcils. Et du coup bah après ils bougent pas, ils sont très beaux. Mais bon, ça c'est quand moralement j'ai envie d'être incroyablement jolie. Mais là je m'en fous. Ensuite, mascara. Hop. Faudra un peu que je me bouge quand même. J'ai mes cheveux à faire, je vais les plaquer je pense. Je sais pas ce que je vais faire à mes cheveux. Moi le matin je mange pas déjà. Du coup quand j'arrive au lycée bah, j'ai hyper faim. Du coup je vais à une boulangerie à côté.
Et après le midi, je mange tout le temps avec ma meilleure pote dehors. Genre, on va chercher un tacos, un kebab ou un truc, un sandwich. Parce que la cantine, genre, on déteste. Donc, bah voilà. Genre, à un moment donné, il faudra manger à la cantine, on sait. Mais bon. Quand on voit, c'est pas possible. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, on avait tellement de chance dans notre cantine. Genre, moi, je mangeais pas à la cantine avant au collège. Mais des fois, je mangeais. Et en fait, c'était grave, grave bon. Et tous les profs, ils nous disaient, vous avez pas la chance que vous avez et tout. Et nous, on était là, ouais, bon, voilà, vas-y. Mais je vous jure que c'est une chance de ouf parce qu'arrivé au lycée, la nourriture, elle est pas pareille qu'au collège. Hein. Ça vous livre pas ce que vous voulez. Non, mais des fois, il y a presque. Des fois, il y a pas de nourriture, hein, pour vous dire. Donc, des fois, il y a même pas de couvert. Hop. J'enlève l'excédent. Voilà. Ensuite. En plus, ma peau, elle est sèche. Ensuite, voilà. Et après, j'ai un gloss dans mon sac. Donc, tranquille, je mets mon gloss. Mais sinon, je mets souvent mon petit baume à lèvres. Parce que vu qu'il fait froid, c'est gercé. Et bien sûr, avant de me maquiller, je me lave le visage, hein, normal. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas incroyable, mais bon, ça fait l'affaire. Et pour mes cheveux, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais les laisser comme ça, je pense que je n'ai pas trop le temps de faire un truc. Genre, ils sont hyper secs en plus, genre, ils n'en peuvent plus mes cheveux. Je vais essayer de voir si je les laisse comme ça ou pas. Toute façon, je pense que je vais les couper, mais je suis pas sûre. Je ne suis point sûre de moi. Je sais pas quoi faire, les gars. Ils sont horribles comme ça, en fait. À chaque fois, je trouve mes mèches et le matin, je trouve pas assez insupportable. Je vais faire un chignon en mode vite fait. Parce que on s'en fout, clairement. J'essaie d'ajuster ce chignon, mais je n'ai pas le temps en fait, donc il va falloir se bouger. Bon, ça va. Je vous rassure, pour la rentrée, j'étais beaucoup plus belle. Hein, là, c'est vraiment pour faire genre. Je vais voir si j'ai. Est-ce que je l'ai ou pas? Écoutez, on va mettre du gel. Ah, mais c'est pas ce gel le mien. Il est où mon gel? Ah, c'est lui. Moi, c'est de la cire carrément. Ma mère m'a fait de la cire pour vous dire. Hop. En fait, ma brosse en poil de sanglier me fait mal parce qu'il y a des pics. En même temps, moi, j'ai tous les trucs horribles. Ok. Bon, le derrière c'est moche, mais on s'en fout. Après, quand j'ai fait ça, j'ai vidé tout ça, ça me rend grave triste. C'est la Victoria's Secret Velvet Petals. Et elle est incroyablement incroyable. Elles sont super bonnes. Voilà. Ensuite. On va mettre les petites boucles d'oreilles parce que rien ne veut. Quand j'ai pas le temps, je les prends avec moi. La dernière fois, j'avais carrément pris le petit lot. Je les prends avec moi et je vais et je les mets dans le bus. Ouais. Parce que je suis bête.
Hop. Allez. Ok. Ah, c'est bon, ça c'est bon. Donc je me suis déjà brossé les dents, tout ça, c'est fait. Hop. Où ma brosse là? Donc voilou. Bon, sinon j'aime pas. Donc je pense que je vais le refaire dans le bus, je sais pas. Mais là j'ai pas le temps. Donc, est-ce que vous aimez bien? Mal. Voilà. Ça. Hop. Oh, mais en vrai, je suis moche là. Attendez, ça va pas du tout mes cheveux. Faut que je les fasse autrement parce que sinon ça va me déranger. Attendez. Ok. Je vais faire autre chose, c'est horrible. J'aime pas. Voilà pourquoi je suis tout le temps en retard, pourquoi je rate mon bus. Parce que je fais n'importe quoi. Je prends même pas un bon chouchou. Voilà. J'arrive, je mets de l'eau. Voilà, voilà, hello. Tu Marcel, tel allô. Tu me donnais trop nouvelle quand j'avais la tête sous l'eau. Je sais pas, lui, il veut quoi en fait? Vient d'où? J'aime pas mes cheveux. Comment je vais faire? Ok. Bon, ça va. Ça va. Faut que je me dise que ça va, sinon je vais jamais partir. Carré. De toute façon, c'est pas grave, c'est l'école. C'est fait pour travailler. Voilà, je prends AirPod, très important. Hop, et là, je m'en vais parce que vraiment, j'ai pas le temps. Je suis désolée, je vous fais plein de gros bisous. Je vais mettre mes chaussures, c'est des Air Force rouges et blanches. Voilà, et il est 7h20 donc. Ça va, j'ai le temps, mais pas trop non plus. Parce que s'il arrive tôt, c'est la merde. Gros bisous. Je sais pas quoi dire. Passez une bonne année scolaire et je vous fais plein de bisous.